Quand on vous dit intelligence artificielle, vous pensez à R2-D2, Wall-E, Terminator. Et pourtant, c'est bien plus vaste que ça. Alors, quand une auteure de bande dessinée et un expert en histoire des technologies s'associent, ça donne ça. C'est une petite bande dessinée qui retrace l'histoire de l'intelligence artificielle, ses questionnements et ses fantasmes. Dans cette bande dessinée, nous suivons Gladys, un robot à la coupe de Mireille Darc, envoyé dans le passé pour découvrir l'histoire de l'intelligence artificielle. Les auteurs reviennent sur toutes les technologies qui ont fait évoluer l'IA, et certaines sont très inattendues, comme la machine à tisser ou encore le canard digérateur. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est un livre scientifique et en même temps une bande dessinée ludique et enrichissante. En voyageant avec Gladys, vous irez à la rencontre d'Aristote, de Descartes, de Turing et de toutes les théories qui ont fait l'intelligence artificielle. Le tout dans une ambiance drôle et légère. Après l'avoir lu, vous n'aurez plus jamais la même vision de l'intelligence artificielle. Si le sujet vous plaît, sachez que Jean-Noël Lafargue, l'auteur de ce livre, viendra nous parler de l'intelligence artificielle le 10 février à l'espace culturel Robert Doisneau. Toutes les infos sont dans la barre d'information. Allez, ça va être...